Votre véhicule est équipé d'un centre d'information du véhicule qui surveille un ensemble de fonctions du véhicule. Le centre d'information du véhicule se trouve ici, sur le tableau de bord. L'un des modes d'affichage de l'information du véhicule est l'ordinateur de bord. Appuyez sur ces boutons du côté droit du volant pour faire défiler les différents modes disponibles. Certains menus sont variables en fonction de l'équipement installé sur votre véhicule. Appuyez sur une de ces commandes au volant et maintenez-la enfoncée pendant plus d'une seconde pour initialiser la consommation moyenne de carburant, la vitesse moyenne ou le temps écoulé. Juste en dessous du centre d'information du véhicule se trouvent le compteur kilométrique et le compteur kilométrique double qui s'affichent lorsque le contacteur d'allumage est à la position « on ». Le compteur kilométrique enregistre la distance totale parcourue par le véhicule, tandis que les deux compteurs kilométriques enregistrent la distance de deux trajets individuels. Vous remarquerez le bouton de remise à zéro de compteur journalier à gauche du tableau de bord. Appuyez dessus pour afficher le trajet A ou le trajet B. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde pour initialiser le compteur kilométrique sélectionné. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.